Et le gros chat, qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats, s'endormit. Elle se leva et rapporta toute sa réserve de suif, 10 dollars. Mais le gros chat n'en voulut pas. Il avait un œil fermé et l'autre ouvert. Il n'avait plus faim. Et le gros chat, qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats, s'endormit. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter la suite de notre histoire. La fin, plutôt, le Père Noël des rats. Alors, écoutez bien, j'espère que vous allez bien. Détendez-vous. Le gros chat déposa devant la cheminée tous les jouets un à un, en les énumérant. Un petit train fait de 18 wagons. 16 poupées éveillées. 1, 4, 6, 2, 7. Ah, une autocamionnette au bout d'un bout cordon. Des dominos et des lotos. Un jeu de course aux allumettes. C'est tout nouveau. C'est bien, c'est bien, monsieur le Père Noël des rats. Mais manger pour vous réchauffer dehors, il fait froid. Alors le gros chat mangea toute la soupe au fromage qu'on lui présenta et il lécha même le plat. Et il lécha même le plat. Augustine et Augustin se regardèrent. Un rat, ça ne lèche pas. Alors, c'est un chat. Oui, c'est un chat. Alors, écoutez les enfants. Comment allons-nous faire? Pensa le père. Comment allons-nous faire? Soyons polis. Il faut de bonnes manières, pensa la mère. Elle se leva et rapporta toute sa réserve de suif et de lard, mais le gros chat n'en voulut pas. Il avait un œil fermé et l'autre ouvert. Il n'avait plus faim. Et le gros chat, qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats, s'endormit. 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 Alors le père du rat rajusta ses lunettes et se passa la main sur le front. Vite! Faire filer les garçons! Vite! Faire filer les garçons! La mère du rat ramassa dans un coin son dé et ses aiguilles. Vite, faire filer les filles. Vite, faire filer les filles. Dans le souterrain. Souterrain, oui, dans le souterrain. Dans le souterrain du bas, tout le monde décrépit. Et le lendemain matin, jour de Noël, sur le mur du jardin au soleil, un chat veilla et s'étira. C'était le gros chat, qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats. Je vous propose maintenant les mots difficiles. Des wagons, une camionnette, des allumettes, soyons polis, les garçons, ces aiguilles, le cetera. Des guerpies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des wagons, une camionnette, des allumettes, soyons polis, c'est le verbe être à l'impératif. Soyons polis, les garçons, ces aiguilles, le souterrain, des guerpies. Les mots expliqués, en les énumérant, ça veut dire en les nommant un par un. Rajusta, ça veut dire ajuster de nouveau ou remettre bien à leur place, comme l'exemple des lunettes. Souterrain, chemin sur la terre. Déguerpir, c'est le verbe déguerpir, ça veut dire partir ou plus vite, plus vite. La phrase à reproduire de mémoire sous forme de auto-dictée, comme d'habitude. Manger pour vous réchauffer. Dehors, il fait froid. Copier et compléter, chapitre numéro 1, le gros chat, il manque un mot ici, tous les jouets devant la, chapitre numéro 2, puis il mangea toute la soupe, oh, il, même le plat, chapitre numéro 3, il n'avait plus, il, chapitre numéro 4, alors tout le monde. Alors répondez aux questions, chapitre numéro 2, comment mangea le gros chat, chapitre numéro 4, qui a fait filer les garçons? Et qui a fait les filles? Le chapitre numéro 5. Que fait le chat le lendemain matin? Et alors, dernière activité, c'est énumérer les jouets apportés par le Père Noël
entre guillemets, le Père Noël. Mais à vrai dire, c'est le chat. Lequel préférez-vous?